6h du matin, 7h moins le quart là maintenant, depuis 3h du matin. Je suis en train de réorganiser tout le palier. J'ai laissé toute la place pour le voyage de foin qui va être déposé là maintenant. Le transporteur arrive. Je viens de passer 20 minutes avec le bobcat pour essayer de nettoyer, mais il y a des rochers qui affleurent partout. Je peux pas faire mieux. Tout le monde a dû sortir, je vérifierai après. Allez, tout le monde sait où on va. Allez! Allez les titines! Allez, allez! Allez, je vous laisse. Vous allez admirer les randonneurs qui n'arrêtent pas de passer, comme les trains. Les pas réveillés qui sont pas sortis avec les autres. Allez, on les accompagne. Il faudra que je vérifie. Blondie qui botte un tout petit peu si elle n'a pas un gravier sous le pied. Pour ouvrir. Allez, c'est ouvert. Alors ma fille, il s'agit de notre petite Joya, 65 cm, la plus petite ânesse de notre troupeau, avec sa maman à côté, taille adulte toutes les deux, sa maman on va faire dans les 77. Alors petite différence de taille. Ici c'est notre Gina Marie, donc une ânesse de 69,5, pied noir, Tiger Spotted, une merveille pour sa taille. C'est la plus petite ânesse dans cette robe-là, dans le monde entier à ma connaissance. Et sa fille, avec un noir encore plus profond. C'est une petite beauté, elle aussi. Elle s'appelle Felicita, qui fait 71,5 cm. Et la petite sœur, qui a 34 mois, qui s'appelle Calisté, et qui fait 69. Donc ça, c'est Gina avec ses deux filles, Pi, toujours par clan. Pareil, là c'est le clan maman et ses deux filles. La petite Pie au milieu, Cajoline, qui fait 67 ou 68. Elle a 2 ans. Avec sa maman Blondie, qu'on voit devant elle. Sa grande sœur, qui s'appelle Rosa, qui fait 73 cm. Blondie nous fait des merveilles en termes de qualité. Avec sa copine qui est au fond, qui s'appelle Gillian. Idem, très très belle conformation. 74 cm et elle nous fait des petites beautés. Tout ce petit monde rouge clair. Et là du rouge vif à foncer. C'est notre petite Canela, la fille de Delite à côté. Voilà, elles se rejoignent toutes les deux. Delite faisant 72 et Canela 67 à 32 ou 34 mois, je ne sais plus. Donc elle pourra peut-être prendre un ou deux centimètres tout au plus. Toute crado. Notre Mirgueta qui
qui en a profité pour se rouler avec Evea qui vient vers nous, 70. Avec la maman d'Evea et de Mirgeta, qui s'appelle Danzairella, qui produit souvent petit. Et ça, c'est notre petite Elia, avec une jolie robe pie, comme son papa King Luxor. Elle, je crois, c'est 75 ou 76 cm qu'elle toise entre les deux. Une bonne partie du troupeau, tout le monde n'est pas là. Ça, c'est Liseron, futur baudet rouge vif, avec un poil d'hiver pas terrible pour la tente. Oh bah oui, faut que ça descende, ma pupette. Ce fafat. Oh là 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 là. Il mange les glands. Hop, au gland.
c'est ça. Petit nettoyage d'automne. Il me manque que le petit tas au bout à enlever. Ici, puis je vais terminer jusque là-bas. Mais il faudra recommencer. Voici l'intérieur des bâtiments. Les infiltrations, il n'y a rien au-dessus. Les chèvres.